je suis super contente de vous retrouver dans un nouveau vlog. C'est cool. Bah, j'ai pas mon trépied, je vais avoir mal au bras, bon, c'est pas grave. Donc je disais que j'étais super contente de vous retrouver dans un nouveau vlog. C'est le bordel. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, le jour des marmots. D'ailleurs, la petite est chez la nounou, hein, parce que voilà, c'est parce que je suis en arrêt et que je dois me coltiner la gamine à m'occuper, à nourrir et tout. Ouais, ça va, deux minutes, hein. Non, aller chez la nounou comme ça, c'est cool. J'ai déposé à 13h et je vais la chercher dans un peu moins d'une heure. Donc c'est cool parce que du coup... oh, j'ai un bouton là. Oh, c'est chiant. Donc du coup, j'ai fait pas mal de choses aujourd'hui. Alors au début, je vous avouerai que j'étais vraiment pas motivée. Mais finalement, j'ai fait pas mal de trucs pour YouTube, on va dire. J'ai fait... un vidéo où je vous parle de mes dons que j'ai reçu énormément de choses, je suis vraiment gâtée, il m'énerve ce bouton, je vais parler comme ça, énormément de choses, je suis vraiment gâtée, donc c'est un truc de ouf au niveau des dons, donc j'ai fait une vidéo par rapport aux dons, j'ai fait une vidéo par rapport à l'évolution de la grossesse, donc les vidéos que je vous balance, enfin que je vous balancerai bientôt toutes les semaines, j'ai fait aussi deux vidéos et je suis super contente de les avoir faites, parce que... c'est des vidéos qui changent l'ordinaire. Je vous parle de ma vie de maman, mais en fait, c'est une vidéo où je vous parle de tous les trucs qui me saoulent, qu'on fait à ma gamine, et aussi un autre truc, je me souviens plus exactement, un truc qui me saoule qu'on fait à ma gamine, oui, et un truc que vous allez faire sans cesse quand vous allez être maman. Donc voilà, c'est des vidéos un petit peu humoristiques, tout ça, et j'en ai même fait une aussi sur mes cheveux. En fait, j'ai fait plein de vidéos, plein de petites vidéos, qui sont des vidéos à long terme en fait, par exemple là je vous ai fait une vidéo, hop, où je vous parle, bonjour, où je vous parle des bombes de bain de chez Action et je vais tester toutes les bombes de bain de chez Action, enfin pas toutes mais vous avez compris, et ensuite je vous donnerai un avis, donc voilà, donc j'ai fait pas mal de petites choses, donc c'est cool et c'est des choses que je voulais faire depuis super longtemps et que j'avais pas forcément le temps ni la motivation de le faire, donc là du coup c'est fait, donc du coup je vais pouvoir m'atteler à d'autres choses, et par exemple d'autres choses, ça va être le tableau d'activité, on en a parlé avec mon petit frère, vous l'avez vu dans la fin du vlog numéro 20, donc on en a parlé du tableau d'activité que je vais vous faire pour la petite, vous êtes très 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 nombreux à me parler de ce tableau d'activité, donc oui, j'ai très très hâte de le faire, et oui, je vais le faire, et dans tous les cas, je vous mettrai plusieurs vidéos, la première vidéo, ce sera le matériel qu'il vous faut, la deuxième, la conception, et la troisième, ce sera le rendu final, donc oui, je vais vous faire ces vidéos-là, mais il faut que je commence à faire le tableau d'activité pour pouvoir... faire ces vidéos et vous en parler, mais pour le moment, à part avoir acheté les trucs, j'ai rien du tout commencé, mais j'ai très envie de faire le tableau d'activité, donc vous inquiétez pas, c'est en cours, enfin je sais que je dois le faire. Autre truc que je sais que je dois faire, c'est vraiment tester les couches lavables AliExpress, ça c'est clair, vous êtes aussi nombreux à me demander mon avis là-dessus. Mais comme je vous l'ai dit, j'avais des problèmes de lessive, tout ça, c'était le bordel. Là, j'ai plus de lessive à faire, mais en fait, les couches lavables, il faut... vous savez, quand on utilise de la lessive liquide, en fait, ça va lubrifier, je trouve pas le mot, mais lubrifier votre tambour, ce qui fait qu'il va avoir un film que vous allez pas voir sur vos fringues, mais il y a un film. Et en fait, si vous utilisez ce genre de lessive avec les couches lavables, ou si vous utilisez votre machine où il y a déjà ce petit film, c'est quelque chose qui va partir au bout du deuxième, troisième lavage, bah du coup, vos couches vont être imperméables. Donc, non, imperméables. Enfin, en gros, elles vont comment, c'est quoi le mot? Perméable ou imperméable? Ouais, elles vont être perméables. Oui, elles vont être perméables. Je crois que c'est ça. Parce que quand c'est imperméable, ça laisse pas... Non, elles vont être imperméables. Vous avez compris. Vos couches, elles vont du coup... elles vont plus être imperméables. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, voilà. Donc, il faut que je relance encore deux machines avec de la lessive en poudre. Parce que ce film-là, vous l'avez pas avec la lessive en poudre. Donc, il faut que je fasse en sorte que ma machine soit bien pour pouvoir vraiment avoir le train-train pour commencer les couches lavables. Mais demain, je suis en repos et après... Enfin, je suis en repos. J'ai la petite toute la journée jusqu'à la fin de la semaine. Donc, à partir de demain, je vais tester vraiment les couches lavables jusqu'à dimanche parce que là j'aurai vraiment la petite avec moi, donc je vais tester ça jusqu'à dimanche et ensuite voilà, ça fera plus lundi, mardi, ouais bah c'est cool, comme ça nous fera une petite semaine, mais moi je pourrai vraiment tester les couches lavables et surtout vous donner un ressenti parce que j'ai pas envie de les tester un ou deux jours, j'ai envie vraiment de les tester sur une longue période on va dire, pour pouvoir vraiment vous donner mon avis, mais vous inquiétez pas, dès que c'est fait, ce sera pas une vidéo qui sera en stock et qui attendra, non, dès que c'est fait, je monte la vidéo, je vous fais
Et je vous balance tout ça directement pour vous donner un avis sur les couches lavables. Donc le tableau d'activité, c'est en cours, ce sera pas tout de suite. Les couches lavables, ça, ce sera... Ça va bientôt arriver. Ah, je m'essouffle. Sinon, quoi d'autre? On commence le calendrier avec Nani, donc c'est cool. Là, on est le 5... Donc j'ai ouvert pas mal de petits colis, donc c'est chouette, ça me fait super plaisir de faire ça avec Nani, c'est chouette, et puis c'est rigolo. Donc voilà, ça pareil, la vidéo, faut qu'on trouve le jour où je vais vous la balancer, on va les balancer toutes les deux en même temps, sur sa chaîne et sur ma chaîne. Ah là-bas. Sinon, quoi d'autre, mon ordinateur casse encore les pieds, hein, on va arrêter d'être vulgaire. En plus ça me saoule parce que je vous avais fait le vlog 19, bon, je sais plus, le dernier vlog vous avez vu vite fait mon frère et en fait j'ai oublié de brancher mon disque dur et je vous avais fait une petite séquence avec de la musique et en fait du coup il n'y a pas la musique. Donc hier mon ordinateur il a mouliné pendant 6 heures pour juste uploader, enfin pas uploader mais faire en sorte que toutes les petites séquences ça soit une vidéo. Et donc du coup plus il a tourné de 21h à 8h pour se mettre sur YouTube. Et donc du coup faut, en gros ça fait 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14 heures de boulot. Donc du coup ce soir faut que je remette à mouliner en branchant le disque dur. Voilà, tu veux venir? Viens. Hop là, et Angel qui est là. Il va toujours très bien, on l'a emmené chez le... J'ai emmené chez le véto faire son petit vaccin la semaine dernière, il va très bien. Quand il était parti, il y a quelques mois maintenant, il était parti, il avait fugué. Donc là, ça va bien. Sur les 3 kilos qu'il avait perdu, bah monsieur, monsieur, il en a repris 2. Donc voilà, ce serait bien qu'il reste à ce poids-là. Mais sinon, il va très très bien. Il va très très bien, il est vacciné et tout. Il faut que je pense à lui faire le truc anti-puce. Mais vu qu'il fait pas beau, je me dis, il n'y a pas de puce, mais bon, on sait jamais. Et voilà, donc sinon, déjà, 7 minutes que je tourne alors que je n'ai rien à dire. Je voulais juste parler des projets en cours, des projets à venir et vous faire un petit point calmement. Il me saoule ce bouton, il me saoule. Donc là, je vais me poser... En moins d'une heure, je cherche la petite. Je vais essayer quand même, je viens de ranger un peu la maison, je vais essayer quand même de faire un petit montage, une petite vidéo, comme ça, ça pourra mouliner. Et puis voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous retrouve plus tard. C'est bon, ça filme, on est bon. Coucou les enfants, aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver dans un... Bah non, je sais pas pourquoi je dis ça. Aujourd'hui, on est jeudi. J'ai fait plein de choses ce matin. Là, j'ai juste envie de me poser, je suis au bout de ma vie, j'en peux plus, je me suis même pas lavée encore. J'ai été emmener la petite chez la nounou parce qu'elle voulait, enfin, elle m'a dit, maman, demain, je veux voir la nounou. Non, elle allait chez la nounou vite fait, elle allait au RAM, donc elle a vu plein de petits enfants, donc c'était cool. La nounou m'a dit qu'elle était plutôt contente, donc c'est cool. Donc au début, à 9h30, elle a déposé la petite chez la nounou. Ensuite, j'ai été faire une prise de sang pour la trisomie 21 pour le bébé que j'ai dans le bidou. Ensuite, j'ai été chercher mes courses à Chrono Drive et là, je viens de vous faire un retour de course. Donc, j'ai été chercher mes courses chez Chrono Drive, même pas le temps de les poser, que je devais aller chercher la petite. Ensuite, même pas le temps de poser la petite, la changer et tout, nanana, vite fait. J'ai été vite fait manger, enfin vite fait, non, on se posait quand même. Avec Nani, on s'est fait un petit quick and toast, voilà, qui va bien. Donc en même temps j'ai donné à manger à la petite au quick, c'était sympa, elle était trop choupi. Et ensuite on est passé avec Nani à Action. J'ai acheté des trucs, j'ai acheté quelques bricoles, je vais vous montrer ça juste après. Et puis voilà, et là je viens juste, la petite elle s'endormait dans la voiture, elle était trop mignonne. Et pour la première fois depuis qu'elle est un peu plus éveillée, on va dire, quand je l'ai pris dans la voiture elle s'est réveillée et après elle s'est posée sur moi. En mode jeu d'or, elle était trop mignonne. C'était trop mignon. Et sinon, donc j'étais à Chrono Drive. Je suis dégoûtée parce que j'ai acheté des clémentines. Et en fait, il y a moitié des clémentines. Ah, faut que je me pose. J'en ai fatiguée. Donc je disais que la moitié de mes clémentines étaient moisies en fait. Donc voilà. Voilà la gueule de mes clémentines. Et celles-là sont bonnes, celles-là sont moisies. Donc je vais les appeler pour leur dire que c'est pas normal. Et ensuite, voilà, donc là, oui, et ensuite dans ma boîte aux lettres, il y avait une commande que j'avais faite chez Lalalab, donc c'est cool, et c'était trop mignon, Lalalab. Donc Lalalab, je vous en ai déjà parlé, c'est un site, une application en fait, je pense que ça existe aussi en site, mais c'est une application où vous choisissez d'imprimer vos photos. Donc là, c'est grâce à Octoly que j'avais un bon pour imprimer 30 photos. Comme d'habitude, j'en ai imprimé plus que 30. Donc, ce sont des photos en mode vintage. Hop,
Donc comme ceci, vous voyez un peu genre vintage tout ça. Donc j'en ai imprimé bien sûr pas mal, la petite choupette, donc je vais pas vous la montrer. Mais vous voyez la qualité de la photo, donc là c'est avec le tonton, moi et la petite choupette qui est juste là. Donc voilà le format que ça fait, format vintage avec le petit truc là. Comme les photos d'antan, donc c'est cool. Et ce que je vous dise pas à chaque fois, c'est que c'est imprimé sur du papier Fujifilm, c'est pour ça que la qualité est ouf. Et donc là en fait j'en ai profité pour... la petite des fois elle a du mal à reconnaître les membres de sa famille et nos amis. Donc du coup j'ai imprimé des photos de sa famille, je vais les plastifier et ensuite je lui montrerai les photos. Donc voilà par exemple là j'ai imprimé mon petit frère d'amour. Donc j'ai imprimé une petite photo voilà avec moi, vous voyez un peu la qualité de la photo. Donc là on était dans le bain, tranquillou bilou, encore une photo de mon frère. Alors du coup dites-moi si vous préférez le tonton barbu ou le tonton pas barbu. Voilà, dites-moi ce que vous préférez au choix. Le barbu ou le pas barbu. Et voilà, une autre petite photo de la petite choupette. Voilà, vous voyez là la qualité de la photo, même si mon appareil photo n'est pas terrible. Enfin, mon téléphone n'est pas terrible. Donc voilà, j'ai imprimé plein de photos. Donc c'est cool, je vais pouvoir lui faire tout ça. Et je remercie énormément Lalalab et Octoly de pouvoir faire en sorte que je puisse imprimer des photos. Et dans tous les cas j'imprimerai quand même des photos avec le site Lalab, même si je n'avais pas de bons réductions, parce que c'est top, la qualité est top sur le site, sur l'application. Vous imprimez vos photos en 2:2, c'est vraiment super et c'est super pratique. Vous pouvez les recadrer, vous pouvez changer la luminosité, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et donc c'est cool, et ces petits formats là sont plutôt pratiques. Après sur le site vous avez plein de formats différents, donc vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez. Donc ensuite, hop, on descend les escaliers, les loulous. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire que mon chéri m'a dit, ah non, mais je lui ai dit, ouais, demain, je vais acheter le sapin de Noël. Mon chéri m'a dit, non, on n'achète pas de sapin de Noël. La petite, elle met tout à la bouche, donc elle va manger des petits bouts de sapin de Noël. Donc j'ai fait, ouais, ok. Donc voilà, hier, j'étais chercher le sapin de Noël. Alors attention, décoration de Noël de chez Pewt. Alors chez moi, vous n'allez pas voir de... J'ai fait mon sapin de Noël, j'adore Noël, tout ça, Noël, c'est la vie. Non, alors attention, voilà la déco. Hop, j'allume. Hop là, voilà. I'm a ring, Merry Christmas. Voilà le sapin de Noël. Il est grand comme mon bras. Et là, on voit rien, mais vous avez une espèce de bouboule. Voilà. Qui fait de la lumière. Donc voilà l'esprit de Noël chez Pewt. Donc voilà, voilà. Donc je ne suis pas vraiment convaincue. Ce sapin de Noël est bien mignon, mais... vous rendez, ça fait la grandeur de mon bras, quoi. C'est pas super, hein. c'est pas festif, hein. t'es pas trop saucé avec ça, mais bon, on verra. Mais donc du coup aujourd'hui j'ai été, donc comme je vous l'ai dit, avec Nani faire un petit tour à Action, et j'ai craqué, j'ai acheté plein de boules. Donc est-ce que j'utilise les boules pour acheter un sapin de Noël? Et là mon chéri va me défoncer, de toute façon une fois que tu auras le sapin de Noël il va pas le mettre dans le feu, hein. Donc est-ce que je fais ça ou est-ce que j'utilise les boules de Noël pour... Oh, il y a le bébé qui pleure, attendez. Oh pétard, elle est réveillée. Oulala. Ok, donc faut pas que je parle trop fort. Donc je disais, est-ce que je garde les boules pour l'année prochaine ou est-ce que j'achète un sapin en loose day? Et voilà, je sais pas. Donc je vais vous montrer les trucs que j'ai achetés chez Action. J'arrive. Hop là. Hop là, donc chez Action, je vous ferai un retour, un haul spécial Action où je vais vous montrer mes boules. Ce sera rien d'intéressant, il y aura juste des boules. Donc si vous voyez haul Action, j'ai trop de boules, ne cliquez pas dessus, rien d'intéressant. Mais moi j'ai acheté des boules dans les tons rose et blanche. Voilà, je trouvais ça trop joli. Donc grosso modo, j'ai pris plein de boules comme ça, voilà. Et voilà, et en fait j'ai pris aussi des boules comme ça pour mon petit frère qui ne regarde pas mes vlogs et tout. Donc ce sera pour Noël, j'ai trouvé trop belle. Je les avais vues dans un vlog de Maxine Makeup et je les trouve trop bien. En fait c'est une guirlande avec 10 boules, voilà, comme ceci. Et j'ai pris aussi ce ton là, je les trouve vraiment très jolis. Moi ça pourrait aller dans mon intérieur, mais bon j'ai préféré partir sur le rose et le blanc. Donc voilà, je les trouve trop choupettes et ça ce sera donc pour mon petit frère. Et après, chez Action, j'ai pas acheté grand chose d'intéressant. De toute façon, je vous ferai vite fait un petit haul, mais il n'y a vraiment rien d'intéressant. Et voilà, grosso modo.
J'espère qu'elle va s'endormir. J'espère qu'elle va s'endormir parce que du coup, elle n'a pas fait de sieste. Donc, j'espère vraiment qu'elle va se rendormir. Je vais essayer de ne pas faire trop de bruit. Je vous emmène avec moi. Donc, du coup, là, je vais croiser les doigts, croiser les jambes. Je vais tout croiser pour espérer que la petite... mal barré. Se rendorme, mais ça va être compliqué parce que j'ai juste envie de me poser. Là, hop. Je crois que c'est foutu, les amis. Je crois que c'est foutu. Je crois qu'on n'est pas bien. Donc, du coup, je vais attendre quand même 5 minutes. On ne sait jamais qu'elle s'endorme. Voilà. Et je vais me poser enfin. Et puis, au pire, de toute façon, elle est assez sage. Je la descendrai et puis elle s'occupera tout seule. Donc, voilà. Ah, grosso modo, ce que j'aurai à vous dire. Et puis voilà. Donc, je vous retrouve sûrement demain pour d'autres événements, d'autres aventures. Et je vous fais. Oh, on est bien posé là, dis donc. Et je vous fais des gros bisous. Je vous reprends vite fait en speed. Je viens de regarder mon email. Et il y a quelqu'un qui a participé à ma cagnotte. J'espère que j'oublie personne quand je vous parle de la cagnotte Litchi que j'ai fait dans le but de pouvoir m'aider. Voilà, on va pas revenir là-dessus. Soit t'aimes, soit t'aimes pas. Soit tu participes, soit tu participes pas. Je t'oblige à rien. Mais je voulais juste remercier Yalima. J'espère que j'écorche pas ton prénom. D'avoir participé à ma cagnotte. C'est juste trop adorable. Et je remercie une fois de plus tous les autres qui ont participé. Et je vous remercie une fois de plus aussi vous de regarder mes vidéos. Mais merci énormément à ceux qui ont participé à ma cagnotte. Et là, du coup, merci énormément à Yalima qui a participé. C'est vraiment trop gentil. Donc voilà, juste un petit aparté et je vous retrouve plus tard. Yo les loulous, ils sont beaux mes cheveux, hein. Franchement, ils sont pas dégueulasses. Hein. Bon, tu peux pas passer la main dedans parce que ça coince, mais ils sont plutôt jolis. Merci la grossesse, merci le bébé. Donc aujourd'hui, nous sommes vendredi, dernier jour de la semaine. Je viens de vous tourner un haul inintéressant au possible où je vous montre mes boules, de Noël que j'ai achetées avec Nani hier parce que j'ai vu Nani hier. Je vous l'ai déjà dit, je crois. Ouais, je vous l'ai déjà dit. Et donc, je ne sais pas encore si je vais faire mon sapin ou pas. Donc, au pire, ce sera pour l'année prochaine. On verra. Sinon, je suis super contente parce que... j'ai enfin emballé qu'est-ce que c'est ? Le colis pour les 4000 abonnés. Donc, il est super beau, hein. Frais d'envoi, on n'est pas bien. Donc j'ai enfin terminé le colis pour les 4000 abonnés pour le jeu concours. Donc du coup, je vous ai déjà fait la vidéo qui n'est pas encore en ligne, mais je vais la mettre en ligne ce soir ou demain ou ce week-end, on ne sait pas. Donc c'est cool, une bonne chose de faite. Et voilà. Quoi de prévu aujourd'hui? La petite choupette qui est en train de dormir, peut-être que j'aille la réveiller, mais c'est tellement bien quand ton gamin il dort. Pourtant, elle adore. Hein. Donc voilà, donc la petite choupette est en train de dormir, je vais aller la réveiller. Il y a une pote qui va venir à la maison tout à l'heure, on va manger ensemble. Et puis voilà, et puis demain c'est le week-end, donc demain il y aura papa, pas grand chose, je pense pas qu'on va faire grand chose d'intéressant. Je voulais aller à la piscine, mais bon je me dis, vu qu'il fait un temps dégueulasse, ça va être un peu compliqué pour la petite choupette. Mais sinon voilà, franchement pas grand chose d'intéressant, peut-être que je verrai mon frère lundi, et peut-être, j'espère qu'on commencera enfin le tableau d'activité. Et puis voilà, grosso modo voilà. Et au niveau des couches lavables, je suis en train de continuer de tester. Donc voilà, je vous en parlerai très bientôt. Je ne vous oublie pas. Et j'entends un bébé. Donc voilà, donc je vous retrouve sûrement dans la semaine prochaine. Et puis voilà quoi, j'ai déjà dit 40 000 fois. Je vous fais des gros bisous. Coucou les loulous, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on est lundi. Et je voulais vous faire un petit coucou. Le moral, ça va pas fort. Je commence à être malade. Et je sais pas si vous voyez, mais là, mon œil est très très rouge. Depuis samedi soir, en fait. Et c'est trop relou. J'ai un angiome ou un orgelet, je sais pas. Donc, il me fait extrêmement mal et j'arrête pas de pleurer. Donc, c'est un peu relou. J'ai mal à la gorge aussi. Donc, je vais aller voir le médecin demain. Donc voilà, j'ai un peu le... pas le moral dans les chaussettes, mais j'ai aucune motivation. Je sais qu'il faut que je me repose. Vous allez me dire repos. Mais là, je viens de dormir 3 heures. Et sachant que tout le week-end, j'ai dormi en fait. Je me suis coupé la petite le matin. Et après, il n'y avait plus de son, plus d'image. Donc là, l'œil, c'est relou parce que j'ai l'impression d'être Rocky Balboa après un grand match. Donc c'est un petit peu chiant. Et on dirait que je chiale en fait. Mais non, je chiale pas.
Donc c'est chiant, voilà. Du coup, je n'ai même pas ouvert le calendrier de Nani. Il faut que je l'ouvre, j'ai 3 jours de retard. Mais je me sentais tellement fatiguée que j'avais pas la motivation pour filmer. Mais là, je vais quand même filmer malgré le petit bobo. Donc voilà. Donc sinon, je voulais juste vous faire des petits bisous comme ça. Et je vous retrouverai demain, sûrement, parce que en espérant que ça aille mieux. Donc je vous donnerai des petites nouvelles. Donc voilà, tape ta tête. Oh là là, l'horreur. Donc voilà, sinon, le petit chat va très bien, la petite chouchoute va très bien. À part ça, moi, ça va très bien, juste que je suis super naze, même si je dors, même si je dors. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve demain. Coucou les enfants. Aujourd'hui, ça va pas mieux. On est mardi, voyez mon œil. Et en plus, on dirait que j'ai un gros coquard, mais c'est juste horrible. Vous voyez comme il est rouge comparé à l'autre. Ah, oh, c'est juste horrible, ça me fait mal. Donc j'ai hâte d'aller chez le médecin tout à l'heure, voir ce qu'il va me donner. Moi j'avais mis 2 fois une petite crème en fait, une petite crème comme ça. Mais après j'ai regardé la posologie et j'ai vu que c'était pas fait, enfin qu'il fallait demander l'avis du médecin pour les femmes enceintes. Donc du coup je me suis pas penchée plus longtemps sur la question. Donc j'ai hâte de voir. Et cerise sur le panier, et à Nounou qui m'a appelé, qui m'a dit votre fille elle est un petit peu malade, elle a 38,5, je lui ai donné de Doliprane et puis elle a pas voulu manger ce midi, donc c'est super. Donc du coup j'ai rendez-vous à 14h et des brouettes chez le médecin pour moi. Donc un petit peu avant je vais aller chercher la petite chez Anounou et ensuite on ira toutes les deux chez le médecin. Donc voilà, super. On adore ta vie. On adore. Et toujours la gorge en feu. C'est relou. C'est chiant. J'ai des ganglions un petit peu gonflés. Là, c'est trop relou. J'ai pas d'appétit. C'est super. On adore. Plus, heureusement, j'ai tourné pas mal de vidéos quand j'étais en repos. Parce que du coup, filmer comme ça, c'est un petit peu chiant. Mais faut quand même que je vous fasse la vidéo qui est en retard sur l'évolution de ma grossesse. Donc ça va être un petit peu relou. Donc ça va être un petit peu chiant. Donc voilà, je voulais vous donner des nouvelles. Et on se retrouve sûrement demain pour d'autres nouvelles. Allez. Ah, bisous. Coucou les enfants. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Aujourd'hui, nous sommes l'agréable jour de jeudi. Au niveau de mon œil, en fait, je suis en train de faire le montage, mais en fait, on voit pas trop que mon œil est pas bien. Mais si vous voyez mes sourcils, vous voyez que là, je suis droite. Hein. Vous voyez que là, il y a un petit souci de. Voilà, j'ai pas de. Alors, attendez. Magie du montage. Là, vous voyez que. Là, je suis droite. Que c'est pas au même niveau en fait, hein, parce qu'à l'origine, j'ai quand même les sourcils au même niveau, même s'ils sont dégueulasses, ils sont quand même au même niveau. Donc voilà, et donc, mon œil est défoncé. Donc, coucou les enfants, j'espère que vous ça va, moi ça va pas trop. Ah pétard. Donc, j'étais chez le médecin avant-hier. Elle m'a dit, en plus c'était même pas mon médecin, c'était la remplaçante, j'aime pas ça. Elle m'a dit que j'avais de conjonctivite. Déjà, elle a à peine vu mon œil, elle m'a dit « Ah, mais c'est une conjonctivite !» Genre, t'es médecin, tu sais directement comme ça la finalité de la chose. Donc, ok, j'ai une conjonctivite. Vu que je suis enceinte, je suis sur amoxicilline, là. Et j'ai des gouttes pour les yeux. Voilà, super, on adore. Donc, depuis 2 jours, je suis sous traitement. Ça ne va pas mieux du tout. J'ai toujours mal à la gorge. Elle m'a dit que c'était normal que ça se répande dans les oreilles au niveau de la gorge. Et ensuite, la petite, vous avez dit qu'elle était malade. Et elle m'a dit, ah oh, bah, c'est une conjonctivite aussi. Bah oui, la petite a tous. Elle a le rhume, c'est une conjonctivite. Bah, normal. Je suis pas autant moi, ok, peut-être que j'ai une conjonctivite. Mais autant la petite, je suis pas convaincue. Bon, la petite, elle est aussi sur amoxicilline. Et le doliprane, 6 température. Donc voilà. Donc, dans tous les cas, quand elle était déjà enrhumée une fois, elle était aussi sur amoxicilline. Donc, ça va, je me fais pas de. Je vais pas tout de suite là-dessus. La petite, ça va pas mieux. Elle tousse beaucoup le soir. Donc, c'est chiant. Le premier soir, elle avait même saigné du nez. En fait, je voulais lui faire un lavement de nez. Et j'avais vu vite fait, il devait être 2h du matin. Et j'avais vu qu'il y avait des petites traces rouges dans son lit. Mais vu qu'il faisait nuit, j'ai pas fait gaffe. Et en fait, du coup, alors je la lève pour faire un moustache de nez avec le mouche bébé. Je vous raconte ma vie. Et en fait, il y a le papa qui est avec moi. Et là, il y a du sang. Et le papa, il me dit, c'est normal ça? Je fais, bah non, c'est pas normal. Et voilà, donc moi, j'ai pas paniqué tout ça. Mais
Mais déjà que je suis super malade et que, en fait, voilà, j'ai l'impression en fait qu'on m'a mis un coup dans la gueule. Je sais pas si vous avez déjà fait de la boxe ou si vous avez déjà reçu une patate, mais voilà, j'ai l'impression qu'on m'a mis un coup dans l'œil en fait. Et c'est chiant parce que si vous avez déjà pris une patate, vous savez à quel point vous vous sentez pas bien et je sais pas, ou une tarte dans la gueule. Enfin, ça fait chelou. Et donc, je me sens comme ça en fait, je me sens minimisée, je me sens pas bien, donc c'est chiant. Et par exemple, quand la petite elle tousse beaucoup, ou quand la petite elle pleure parce que je lui fais des lavements de nez, je suis pas bien, je vais me mettre à pleurer aussi. Donc, ça, c'est les joies des hormones, n'est-ce pas? Donc voilà, donc c'est pas cool. Et même hier soir, je me suis bien chialée. Enfin, il y avait mon chéri, hein, j'ai pas fait. Je suis au bout de ma vie, mais voilà, j'ai pleuré parce que je me sens pas bien. Après, je sais que c'est les hormones, hein, mais je me sens pas bien et ça fait chier. Je me fais aussi du souci pour le bébé qui est dans mon ventre parce que voilà, j'aime pas. Donc voilà, donc c'est pas la joie. C'est pas la grande joie, c'est pas la grande joie. Mais ça va aller mieux. Le plus important, c'est que la petite aille bien. Moi, ça passe après, même si c'est important que j'aille bien, parce que si je vais pas bien, il pourrait pas m'occuper correctement de la petite. Mais voilà, il faut que ça aille mieux. Dans tous les cas, je pense. Alors là, si je me fais pas prolonger, je sais pas ce qui se passe. Je pense que je vais me faire prolonger, c'est même sûr. J'ai rendez-vous d'ailleurs chez le médecin samedi. Demain. Jusqu'ici, je crois que le bébé est réveillé, super. Demain, je vais voir comment ça va, mais je pense que je vais me faire prolonger parce que là, c'est pas ça. Je voulais vous dire aussi quoi, oui, que tout à l'heure, j'ai une copine qui va manger, qui passe manger. D'ailleurs, faut que je me baigne le cul parce qu'elle va pas tarder à arriver. J'allais me laver, je suis encore en pyjama. Donc, il y a une copine qui va manger, donc qui vient manger, donc ça va être cool, ça va me faire du bien. Ah, pétard! Et puis voilà, donc je voulais juste vous donner des nouvelles. Et puis voilà, et puis voilà, et puis voilà. Et faut que je vous montre un truc, j'ai reçu un petit truc sympa, partenariat, un petit livre trop trop mignon, donc faut que je vous le montre. Et puis voilà quoi. Ouh là 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 là. Vous avez vu chez moi, c'est. On dirait que c'est la grande récré quoi. Il y a des jouets de partout. Donc voilà les loulous, pour les petites nouvelles. Après, je sais que vous allez me dire repos, 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 mais vous inquiétez pas, je me repose, je me repose, je me repose, je me repose, je me repose. Mais voilà, c'est comme ça. Hier, j'étais en train de penser à tout ça et je me disais, bah, en fait, j'ai l'impression. Oh, j'ai flippé. Oh, j'ai peur. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un arc-en-ciel au-dessus de moi, mais que je le vois pas parce que j'ai de la cendre, comme la cendre de cheminée ou de la cendre de barbecue. Enfin, je suis un petit peu comme ça, mais vous inquiétez pas, ça va aller mieux. Ça va aller mieux, ça va aller mieux. Donc voilà, bah, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve plus tard. On garde le sourire. Coucou les loulous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas top au niveau de mon œil, c'est toujours pas ça, même si j'ai l'impression que ça va un petit peu mieux, mais c'est toujours pas ça. La petite, pas top du tout, donc du coup ce matin, c'est cool parce qu'il y a mon médecin qui m'a pris en urgence, donc il a changé le traitement de la petite, il lui a donné un truc un peu plus fort, et à moi aussi, donc c'est bien, il m'a dit qu'il n'y avait aucun souci pour le petit bébé qui est dans mon ventre, donc c'est cool. Qu'est-ce que... Oh mon chat il a fait ses griffes sur le canapé. Oh là 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 là, j'avais pas vu. Bon, on voit rien. Si on voit, je le déteste. Ok, super. Bon, bref. Je voulais vous dire, oui, que le changement est le traitement est changé. Donc, on va voir ça. La petite est en train de se réveiller, donc faut que je me speed. Donc voilà. Donc au niveau de l'œil, ça va pas top. Nanana, on a compris. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je voulais vous demander quelle serait vos attentes pour des éventuelles futures vidéos, voilà. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez envie de voir, quel genre de truc vous avez envie de voir de nouveau, en fait. Voilà. Donc, ce serait cool que vous me laissiez un commentaire pour me dire des choses. Essayez de me dire des choses concrètes, parce que je sais que des fois, on me dit des vidéos avec ton frère, mais quel genre de vidéos, en fait. Donc voilà. Donc, laissez-moi un commentaire si vous avez des idées de vidéos qui seraient intéressantes, que vous ayez envie de voir. Sinon. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, au début, quand j'ai pris ma caméra, j'avais plein de choses à vous dire. Mais là, j'ai plus trop d'inspiration. Oh, c'est trop chiant. Oh, je suis naze. Oh, je suis trop naze. Attendez, je réfléchis. Oui, 2 heures plus tard. Ça y est, j'ai trouvé. Je voulais vous dire qu'au niveau des couches lavables, donc vous avez vu, je suis pas dans mon état bien, et la petite n'est pas dans son état bien. Donc, j'ai testé les couches lavables. Déjà, premier ressenti, j'ai testé 2 jours. Pff. Et bon, c'est pas une réussite, c'est pas une réussite. Donc après, j'attends que la bite aille mieux pour encore tester et vous donner vraiment un avis là-dessus. Mais les 2 jours que j'ai testé, encore, c'était pas 2 jours pleins parce que voilà, j'ai eu des fuites. Donc voilà. Donc je vais vraiment me pencher
En plus, sur la question, quand la petite sera plus malade, parce que là, déjà qu'elle est au bout de sa vie, la petite, on va pas la laisser le cul mouillé. Donc, à chaque fois que j'ai testé, il y a eu des fuites, donc c'est chiant. Donc, je vais tester un peu plus avec les inserts, en fait, pour ajouter dedans, parce que je me dis que peut-être que, vu qu'elle fait des gros pipis, c'est pas évident. Donc, on va tester ça. Donc, vous inquiétez pas, je vais tester, mais là, voilà, c'est pas. Vous allez me dire, c'est jamais le bon moment avec toi, Piout, mais là, c'est vraiment pas le moment parce que vu que la petite est pas bien, j'ai pas envie, comme je vous l'ai dit 40 000 fois, de la laisser avec le cul trempé pour ce genre de test. Je voulais vous montrer. Je vous montrerai ça ce soir. J'ai des trucs à vous montrer, je vous montrerai ça ce soir. Et puis voilà, donc je voulais juste vous dire ça par rapport aux couches lavables et aussi la question qu'est-ce que vous avez envie de voir d'intéressant, de genre de vidéo, de contenu sur ma chaîne? Donc voilà, en espérant que ce soir ça aille un peu mieux. Je crois que mon chéri ce soir part en vadrouille, donc voilà. Et bah, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve ce soir ou demain ou bientôt. Des gros bisous! Someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see. We can be true, we can be true. I want you to see what I see in us. Something so real, something so real. I want you to see that this is a love we both feel. Both feel. And how will we ever know if the love will ever grow without trying, without trying? And how will we ever see if we are meant to be? It's terrifying, it's terrifying. Hello! J'espère que tout va bien pour vous. Et dans tous les cas, je ne le saurai pas, hein, tu vas pas me raconter ta vie en commentaire, merci. Aujourd'hui, nous sommes samedi, c'est le week-end, c'est cool, je suis contente, il y a papa qui est à la maison, donc c'est cool, ça fait plaisir. Mon œil, ça va un petit peu mieux, un petit peu mieux. Donc ça aussi, c'est cool, le moral, ça va beaucoup mieux, les enfants. Et attention, priorité à droite, hop là. Et donc ça va beaucoup mieux, la petite, ça s'arrange, mais c'est pas encore ça. Mais on est sur la voie de la guérison, on va dire. Donc c'est cool. Tout à l'heure, on vient de rentrer des courses. On a été faire des courses vite fait à Grandfray. Et fallait que j'achète plein de fruits et légumes différents pour vous faire les vidéos où je vous parle de l'évolution de bébé. Bon, je vais faire un petit peu d'avance, mais je ferai juste les miniatures. Et donc voilà, il y avait le vigile qui me regardait chelou en train de, pendant une demi-heure, de regarder les fruits et les légumes, de voir lequel est le plus gros, lequel n'est pas plus gros. Donc voilà, mais j'ai pris tout ce qu'il fallait pour quelques semaines. Et ensuite, là, je vais chercher des courses que j'ai fait sur Chrono. Non, pas Chrono Drive, Leclerc Drive ce matin. Il y a pas mal de trucs pour bébé. Je vous ferai pas un retour de course parce qu'il y aura rien d'intéressant. Mais voilà, il fait un temps dégueulasse. Il fait tellement froid. Et ce matin, bah, je vous ai pas dit. Ce matin, alors à peu près vers 10h15, je me suis fait ramoner la cheminée. Donc voilà, bon ramonage, hein, c'était pas mal, j'en ai quand même eu pour 60 balles, mais il m'a dit qu'il avait bien enlevé pas mal de saloperies, et voilà, donc je suis bien ramonée, et j'en ai pour plus d'un an, enfin un an on va dire, hein, parce qu'il faut faire attention par rapport à l'assurance. Donc voilà, je voulais vous tenir au courant, et sinon je vais mettre en ligne tout à l'heure le calendrier, le vlog Smart XX, je sais pas, le calendrier de l'Avent, donc c'est cool, j'ai hâte que vous le voyez. Et j'ai surtout hâte de voir la réaction de Nani face à mes petits cadeaux à moi. Donc voilà. Donc là, je ne traîne pas, je vais chercher mes courses. Ensuite, je rentre à la maison, il y a la petite qui est déjà à la sieste. Donc comme ça, quand je rentre, je peux me poser un petit peu tranquillou bilou avec le papa. Et puis voilà, rien de passionnant, rien d'extraordinaire. De toute façon, pour les jours à venir... Ah, sinon oui, je voulais vous dire, il y a un truc qui m'a un peu impressionné. Enfin, impressionné, c'est un grand mot. Quand j'étais tout à l'heure à Grandfray, j'avais l'impression en fait que les gens faisaient déjà leurs courses pour le réveillon, parce qu'il y avait des gens qui achetaient plein de fromage, plein de viande. J'entendais oui, votre commande elle est prête. Enfin, c'était un truc de ouf. Donc, laissez-moi un commentaire pour me dire si vous achetez déjà, sachant que là on est le 15, si vous achetez déjà vos courses pour dans 9 jours pour le réveillon,
ou si c'est juste une hallucination. Après, je me dis qu'il y a peut-être des gens qui ont des amis et tout qui viennent séjourner un peu à la maison. Mais c'est un, voilà, c'est un truc de ouf. Donc voilà, les loulous, rien d'intéressant. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve plus tard. Hey, coucou, c'est re-moi. Je vais vous montrer 2-3 trucs vite fait que j'ai acheté du coup à Chrono Drive, enfin à Leclerc Drive. J'ai trouvé des petits cookies comme ça, ça avait l'air super bon. C'est nouveau apparemment, donc c'est des cookies de fruits rouges et noisettes. Donc je vous en parlerai dans les produits terminés. Et sinon, juste un petit produit que j'ai acheté comme ça pour du gel de toilette. Voilà, parce qu'en ce moment je suis un petit peu sec. Voilà, donc hop, comme ceci. Parce que ce qui est pas mal, c'est que chez mon, à mon Leclerc Drive, ils ont un truc parapharmacie, tout ça, donc c'est plutôt cool. Et j'ai acheté ceci, que j'avais reçu une fois gratuitement de la part d'Octoly. Et du coup, vu que j'aime beaucoup ce produit, bah, je l'ai acheté en version 1 litre. Donc ça, vous pouvez autant l'utiliser sur le visage que sur le corps. Donc c'est une huile de douche ultra nourrissante de la marque Bioderma. C'est le Atoderm, huile de douche comme ça. Et tant qu'à faire, bah, je remercie Bioderma de me l'avoir envoyé une première fois gratuitement et Octoly. Donc peau sensible, sèche, très sèche, à irriter, nettoie, relipide et apaise. Donc ça se présente comme ceci. Vous avez des formats un petit peu plus petits, mais moi j'aimais bien ceux-là. Et voilà, ça se passe de commentaires. Et sinon, j'ai été con, quand j'ai reçu ma commande, j'ai fait mais c'est pas possible, genre j'ai plein de sérum fille. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas supprimé mon ancien panier. Donc du coup, je me suis retrouvée avec plein de petits pots pour bébé. Et heureusement qu'il n'y avait pas de viande ou de trucs comme ça, mais voilà, pas mal de trucs. Et sinon, j'ai acheté un petit fruit comme ça, pour la petite taille du bébé. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais acheté les petits fruits, donc voilà, il est assez original, je le trouve plutôt mignon. Et puis voilà, donc du coup, je vous retrouve sûrement demain ou après-demain pour la suite de ce vlog. Et je vous fais des gros bisous. Coucou les enfants, je suis contente de vous retrouver. Comme si on s'était pas vu hier. Donc aujourd'hui, on est dimanche. J'en ai marre de ces cheveux, mais qu'est-ce qui... Pourquoi t'es là, toi? On sait pas. La petite, ça va beaucoup mieux. Elle est juste là. Alors attendez, hop. Un petit bébé? Le bébé là. Le bébé. Donc elle va très bien. Et aujourd'hui, alors attention, j'ai mis pou 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 pou. A sexy lady. I like it. Avec les chaussons. Loupi 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 loupi. J'ai mis une jupe. Alors attendez. Hop. Petite jupe. A sexy lady. T'as vu ma culotte? T'as vu ma culotte? Donc voilà, j'ai une jupe, hop, et c'est une jupe de grossesse. Donc voilà, on adore. Bonjour, la vidéo. Donc voilà, je suis là, j'arrive, c'est compliqué. Donc je vous prends aujourd'hui pour vous clôturer le vlog, parce que ça va un peu mieux, mais comme ça, je préfère commencer un nouveau vlog, pas à la bouche ça ma bébé, je te vois. Commencer un nouveau vlog quand tout ira mieux. L'œil, ça va carrément mieux. Il faut tout par terre. Donc bref, je voulais vous montrer. Ça fait 3 jours que je vous dis que je dois vous montrer les produits. Donc, bébé. Elle a chopé sa tétine. Carse. Elle est trop mignonne quand même, sa tétine. Bref, je voulais vous montrer des articles que j'ai reçus gratuitement de la part d'Octoly. Je vais les offrir honnêtement à ma belle-sœur pour Noël, parce que je sais que ces produits sont très très bien, j'en ai déjà utilisé et ils sont top. Donc je vais offrir à ma belle-sœur. Voilà. Alors, elle est où la tétine? Elle est où Tintin? Est-ce que vous avez un petit mot pour appeler la tétine de vos enfants? Moi c'est Tintin. Elle est où? Elle est où la tétine? Elle est où? Oh Peter. Tiens, je la mets là. Donc je disais que j'avais reçu. Jamais y arriver. Donc, un petit gel hydroalcoolique, comme ceci, de la marque Merci Andy. Mise au point, non, ça n'existe pas. Donc, Merci Andy Hello Sunshine. Donc, c'est un petit format, ça se présente comme ça, c'est trop bien. Et ensuite, j'ai reçu de la même marque, Merci Andy, une petite crème pour les mains, Love and... Non, New Wave. Petite crème comme ceci, pour les mains. Donc c'est cool, et les deux petits ensembles, je sais aussi qu'ils font bébé,
qui font des ensembles en fait. Là, c'est pas un ensemble, mais je sais qu'ils font des ensembles pour Noël. Donc, allez voir sur le site, vous avez encore quelques jours avant Noël. Donc voilà, donc je remercie énormément la marque de m'avoir envoyé. Tu veux sentir ma bébé? Ça sent trop bon. Lui, il est operculé, mais celui-là, il sent trop, 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 trop bon. Hello Sunshine. Ça sent trop bon. Peut-être je vais le garder pour moi en fait. Je vais réfléchir à la question. Donc, je disais merci maintenant énormément à la marque de m'avoir envoyé ce produit gratuitement. Et merci énormément à Octoly. Et ensuite, je voulais vous montrer. J'avais dit dans un précédent vlog que j'avais contacté plusieurs entreprises qui ont des rapports avec des bébés. Enfin, des rapports, enfin, vous savez compris. Et là, j'ai contacté une entreprise qui s'appelle L'Enfant Roi. Alors, pas L'Enfant Roi, le roi comme la reine, mais L'Enfant Roi, Roy. Pas à la bouche, madame. Donc, L'Enfant Roi. Et en fait, ils font des livres personnalisés. Vous avez plein de thèmes différents. Et en fait, personnalisés, c'est-à-dire que, imaginons bébé Chouk-Chouk, ce serait bébé Chouk-Chouk va chez le docteur, bébé Chouk-Chouk devient grande sœur, bébé Chouk-Chouk va à l'école, bébé Chouk-Chouk va au parc, bébé Chouk-Chouk va voir papy, mamie, nanana. Donc, moi, j'ai demandé le bébé Chouk-Chouk va. Devient grande sœur. Donc, là, en fait, j'ai caché, hein, mais il y a le prénom de la petite choupette. Qui est juste là. Donc bébé Chouk-Chouk va bientôt être grande sœur. Et en fait, tout le livre est personnalisé. Enfin, pas tout le livre, mais vous pouvez choisir. Bah, déjà, c'est un garçon ou une fille, c'est déjà pas mal. Et vous pouvez aussi choisir la pigmentation de votre bébé. Donc moi, j'ai mis un petit peu à lait, mais pas trop. Donc voilà. Après, vous pouvez pas choisir le bébé si c'est un garçon ou une fille, mais c'est un petit bébé, hein, voilà. Donc il est très très bien ce petit livre parce que déjà les pages sont cartonnées, mais pas trop non plus. Donc c'est pas le livre que vous allez acheter des petits, mais voilà, les pages elles sont de cette taille-là. Et donc ensuite voilà, par exemple là vous avez Je m'appelle bébé Chouk-Chouk et vous avez l'explication. C'est pas moi qui l'ai personnalisé, mais c'est pas mal parce que c'est en gros la petite fille, elle habite dans une maison. Dans la maison il y a un petit trou de souris et il y a une petite souris qui lui fait découvrir la vie. C'est un chat, donc c'est pas mal, et un chien. C'est dommage qu'on n'ait pas pu personnaliser. Le chat et le chien, ça ce serait bien. Ce serait top, 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 top. Et donc ensuite, voilà, donc vu que c'est le thème, c'est bébé Chouk-Chouk devient grande sœur. Et ben, par exemple, dans quelques temps, bébé Chouk-Chouk, tu vas devenir grande sœur. Le ventre de maman s'agrandit. La la li la la la. Donc ça c'est bien. Et on dit par exemple en fait que. J'avais pas vu cette page. Donc en gros, je disais, je m'égare à chaque fois, que ce qui est pas mal. Hop, c'est que là on voit par exemple la maman qui est fatiguée et ça explique que maman a besoin de se reposer. Il faut que tu sois sage, bébé Chouk-Chouk, et l'aider à préparer l'arrivée du bébé. Donc voilà, ça explique que la maman elle est fatiguée et qu'elle va avoir du mal. Ensuite voilà, il y a le bébé qui arrive, on dit que le petit enfant va voir son petit frère ou sa petite soeur, enfin là il n'y a pas de sexe, mais va voir son petit, enfin le petit bébé à la maternité. Ensuite il arrive, on nous explique qu'il va un peu perturber les choses à la maison, mais que toi tu sais que tu peux lui donner le biberon et c'est marqué tu peux lui donner avec précaution, donc ça c'est cool. Bah oui ma puce, ça lui montre la chambre. Son doudou, voilà, tu dis que tu peux l'aider. Et c'est pas mal. Et à la fin, en fait, il y a marqué je suis sûre que tu vas être. Que tu as hâte, en fait, qu'il grandisse pour pouvoir jouer avec lui plus tard. Et bah, je trouve ça trop bien, en fait, parce que vous m'avez posé des questions sur est-ce que tu faisais partager ta petite à la grossesse. Bah, pas encore, mais avec ce genre de petit livre, c'est cool parce que vous pouvez lui expliquer les choses, en plus de lui expliquer vous-même, mais lui expliquer les choses un peu concrètement avec des petites images. Et voilà, donc c'est super super cool. Donc les deux personnes qui font ça s'appellent Cécile, c'est l'auteur, et Julie l'illustratrice. Et comme je vous ai dit, c'est de la marque Les Enfants Rois. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le souci? Donc ouais, c'est pas. Bébé! Oh, elle me fatigue! Et donc, comme je vous disais, c'est pas mal parce que vous avez plein de thèmes différents. Et comme je vous le dis à la fin, c'est marqué dans la même collection. Et là, vous avez bébé Chouk-Chouk et toutes les autres collections que vous pouvez avoir. Vous trouverez bien sûr toutes les références de ce livre. Vous avez toutes les adresses, vous avez tout en barre d'infos. Donc voilà. Et je remercie bah, énormément la marque de bien avoir validé qu'elle a dit oui quoi pour mon partenariat. Parce que c'est cool, donc je vais pouvoir expliquer tout ça au bébé qui fait des petites bêtises. Donc c'est cool. Arrête, arrête. Et comme je vous l'ai dit, bah c'est super chouette parce que
C'est personnalisé et c'est un livre qu'elle va pouvoir garder toute la vie. Bon, bien sûr, le sucre, du coup, vous pouvez pas le redonner, sauf si vous connaissez un bébé qui a le même nom que votre bébé, qui a le nez qui coule. Madame Bougon. Alors moi, je vais expliquer à la petite que moi, j'étais la reine de la comédie. Donc c'est pas elle qui m'avait apprendre qu'est-ce que c'est de faire la comédie. Parce que moi, franchement, niveau comédie, faut pas que je parle trop fort, sinon je vais m'entendre. Mais je suis la championne, donc c'est pas elle qui va m'avoir. Faut le savoir. Hein, madame? Bébé tchouk tchouk. Mouah. Donc voilà. Donc en tout cas, je vous remercie énormément. D'avoir regardé ce vlog. N'hésitez pas si vous avez des questions, des interrogations. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Plein de... par la bouche. C'est plein d'autres choses. Ah oui, une dernière question. J'aimerais savoir comment vous apprenez à votre gamin à se moucher. Parce que ça me sauverait tellement la vie, ce serait tellement bien. Donc est-ce que vous avez des astuces? Donc à part lui montrer comment je fais, moi, et... je souffle sur les doigts, ma morde, pour lui montrer, voilà, qu'est-ce que c'est que souffler. Mais c'est pas évident. Donc, est-ce que vous avez une méthode miraculaire pour que dans 2 jours, vous me disiez, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Et dans 3 jours, je vous dis, ok, c'est bon, bébé Chouchou, qu'elle arrive à se moucher. Donc, ce serait cool parce qu'on galère un petit peu. Et en plus, à la fin, ça lui irait tonner. Donc, voilà, tu vas tomber. Tu vas tomber. Qu'est-ce qu'on fait si tu tombes? Boum, la tête. Donc je disais que je vous remercie énormément d'avoir regardé, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de continuations. Faites attention à vous, faites attention à vos proches. Et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, cause I know then you'll see. We can be true, we can be true. I want you to see.